Oui, aujourd'hui, c'est vendredi! Alors, bon matin, bananes et messieurs. J'espère que vous avez bien dormi. C'est vendredi! Bon, une dernière vidéo cette semaine. J'espère que vous allez bien. J'imagine qu'il fait beau. Je filme mon vidéo jeudi soir. Ah ben, Colin, il fait beau le jeudi. Il est 8h, il fait très très beau, 8h15. Vendredi aujourd'hui, il y a beaucoup de corrections. Je vais envoyer beaucoup de choses de correction. Je vais commencer par les 1000 pattes que je ne vais pas envoyer de la correction. Parce que les questions, les réponses peuvent être différentes pour tout le monde. Mais cependant, si tu veux que Denis regarde ton travail et le corrige, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, demande à papa ou maman, ou si toi-même tu veux l'envoyer. Tu peux prendre un portrait, si tu veux, de ton travail. Fais sûr de te rapprocher, que ce soit assez gros. Ou tu peux carrément le taper à l'ordi et me l'envoyer. Ça reste à toi. Donc, ne te gêne pas. Si tu veux, je le corrige. Je vais le corriger sans faute. Ben, j'espère que je... Ouais, sans faute. Ouais, des fois, je fais des erreurs, mais bon. Je vais le corriger sans problème. Ensuite, j'ai une feuille de déterminant ici. Je ne sais pas si je te l'ai envoyé. Si je ne te l'ai pas, je vais l'envoyer quand même. Si tu l'as déjà fait, ben tant mieux. Si tu ne l'as pas déjà fait, ben tu pourras la faire. C'est de choisir le bon déterminant. Tu te rappelles les déterminants, c'était quoi? Le, la. Ici, on a le choix de le, la, un, une, les, des. Donc, il y a plusieurs choix possibles pour certains. Fais attention avec soit masculin ou féminin. Et ensuite, choisis entre le singulier et le pluriel. On se rappelle bien, nos singuliers veut dire qu'il y en a un, les pluriels veut dire qu'il y en a plus qu'un, donc plusieurs. Masculin, c'est le, un, c'est masculin. Féminin, la, une. Puis les pluriels, ben ça ne dérange pas si c'est masculin ou féminin. C'est les ou des. Si c'est pluriel, un des deux, que ce soit masculin ou féminin, ça ne dérange pas. Tu peux mettre un des deux. Je vais en même temps aussi t'envoyer la copie-réponse de cette feuille-là tout de suite, comme ça, tu vas pouvoir te corriger. Et sur la copie-réponse, je pense que c'est Mme René qui l'a fait, les deux possibilités sont là. Des fois, il y a toutes deux possibilités pour chacun. Les deux possibilités sont là. Donc, ça, c'est pour les déterminants. Ensuite, l'accord des adjectifs. Cette feuille ici, tu devais souligner si c'était un déterminant, si c'était un nom et si c'était un adjectif. Moi, sur la feuille copie-réponse, j'ai rajouté une flèche. La flèche qui part, qui débute avec l'adjectif qui va vers le nom. Donc, l'adjectif qui vient améliorer quel nom? Ben, c'est le nom que la flèche voit. Exemple, le grand garçon marche dans la rue. Donc, le déterminant, grand, ça dit comment quelque chose est, hein? Bon, mon adjectif, ça qualifie quelque chose. Et garçon, c'est un nom masculin, donc grand, ce sera masculin aussi. Je n'ai pas de S à garçon, donc c'est un garçon, pour ça que j'ai le, et c'est pour ça que grand n'a pas de S. Donc, j'ai fait une flèche de grand vers garçon, puis même à la fin, la, c'est un déterminant, et rue, c'est un nom, mais je n'ai pas d'adjectif qui va avec ça. Et il y a d'autres mots dans ta phrase qu'il n'y aura pas rien. Si tu as souligné tes verbes, parfait. Si tu veux que je te corrige, tu me les envoies et je vais te corriger ça. Alors, ça, c'est pour l'accord des adjectifs. Excellent. Ensuite, on s'en va en mathématiques. Mathématiques. Problème écrit. Il y avait deux pages de problèmes écrits. Des problèmes écrits, il y a plusieurs façons aussi de voir un peu la solution. Si tu n'es pas certain, encore une fois, envoie-moi tout ça. Je sais qu'il y en a qui disent « les profs ne corrigent rien. » Envoie-moi tes affaires. Ça ne me dérange pas du tout parce que, justement, il n'y a personne qui abuse. Il n'y a personne qui m'envoie des choses à chaque jour. Donc, ça va me faire plaisir de corriger vos choses. Surtout, si vous avez des questions, j'aime mieux prendre du temps pour corriger que vous ne savez pas comment ça marche. Puis, ça ne marche pas. Donc, par exemple, le premier, je l'ai fait avec des multiplications, mais j'aurais pu aussi le faire avec des additions. Les deux sont bons. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre pour l'instant. Donc, tu regarderas ça. R et périmètre. Donc, cette feuille ici, les deux côtés,
En arrière, il n'y avait pas l'air de demander nulle part, mais je l'ai fait quand même. Si tu ne l'as pas fait, inquiète-toi pas. Mais si tu l'as fait, je t'ai mis la réponse qui est là avec le calcul. Ici, les deux réponses sont là. Et ces feuilles ici, ces feuilles, il y en a deux, 44 dans le bas et l'autre 45, c'est seulement le périmètre, mais je t'ai fait une feuille de plus comme ça, avec toutes les aires, oh, les l'aire de chacun. Et puis, donc, si tu veux faire l'aire en même temps, ça sera là, tu pourras te corriger. Alors, j'ai mis les petits chiffres partout alentour, c'est la longueur, combien d'unités que j'ai. Donc, en haut, je compte 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En descendant, j'en avais 4, 1, 2, 3, 4. Ah, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7. Donc, si je fais 10 plus 4 plus 5 plus 3 plus 5 plus 7, ça me donne un périmètre de 34 unités. Ah, et pas oublier un S à unité parce que c'est pluriel. Donc, ça, c'est ces deux pages-là. Tadam! Je vais t'envoyer ça avec aussi celle-ci. Donc, la page est en haut, le premier, le deuxième. J'ai mis ça le même ordre, finalement. Un peu de calcul rapide. Donc, ça, c'est marqué rapide. Ça veut dire que c'est des genres de feuilles que c'est des petits calculs, c'est toutes des plus. Et puis, c'est des genres de choses que plus on en fait, plus ça va aller vite. 10 plus 8, ça fait 18. 10 plus 0, 18. 7 plus 11, 18. 5 plus 13, 18. C'est des choses que quand on va en faire beaucoup, ça va aller très vite et on n'a pas besoin de penser. Donc, ça, on va continuer à en faire beaucoup. Et ensuite, mystère et addition. J'ai la copie réponse ici. Je n'ai pas fait de ligne ou pop-up avec les réponses en bas, là. J'ai juste fait les problèmes comme ça. Puis, si tu as fait ça, c'est parfait. Et dernière feuille, le jeu des jetons. Alors, il y avait des réponses en bas, mais moi, j'ai juste fait les calculs puis j'ai regardé. Je me suis révisé. Et puis, c'est ça, il n'y avait pas de retenue non plus dans les moins. Il n'y avait aucune place que j'avais besoin de faire de la retenue parce qu'il manquait de. Il en manquait. Mais j'ai fait des. Oh, en anglais, carry the one. Je me rappelle plus. Amène ton 1. Exemple, le premier, 9 plus 5, ça fait 14. Donc, j'amène mon 1 en haut. 1 plus 5 plus 0, ça fait 6. Et ensuite, 6 plus rien, ça fait 6. Donc, j'ai tout fait ça. Tu pourras te corriger. C'est important de se corriger parce que si tu as des petites erreurs, puis ça revient tout le temps, il faut le savoir. Parce que des fois, ça peut venir une habitude, puis là, tu vas tout le temps la faire, puis tu vois, ben, c'est facile ça, mais tu as tout un petit erreur dedans. Donc, n'aie pas peur de faire des erreurs tout de suite. C'est pas grave. Monsieur Denis, il n'était pas parfait à l'école quand j'ai commencé. Chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, même maintenant, quand je fais mes vidéos, là, vous voyez pas, vous autres, les nombres de vidéos que j'ai faites puis que j'ai pas envoyées parce que c'était pas bon. Je me suis corrigé, j'ai repris et maintenant c'est beaucoup mieux, ça se fait plus facilement. Donc, n'aie pas peur, c'est pas vraiment une erreur, c'est pas négatif, c'est juste, ah, je l'ai pas eu. OK, la prochaine fois, maintenant, je sais comment l'avoir plus comme il faut. Si tu refais toujours la même erreur, ben là, tu fais, OK, comment ça? Je fais toujours la même erreur. Il doit y avoir un truc que j'ai pas pogné là. Je vais demander à M. Denis, puis ou je vais peut-être demander à papa, maman, ou mon grand frère, ma grande soeur, ou M. Denis, peu importe, ou quelqu'un d'autre, parce que je l'ai tout le temps de mal. C'est pas normal. Okay? Donc, demande-moi, j'ai des trucs, j'ai plein de trucs. Puis des fois, c'est peut-être que je ne savais pas que c'était ça, ou je comprenais pas un mot, je pensais que ça voulait dire d'autres choses. Okay? N'aie pas peur. On est en troisième année, on s'en va à quatrième. On n'est pas en train de faire un doctorat en biochimie mécanique du corps humain pour aller sur la Lune. OK? N'ayez pas peur, ça va être correct. Donc, ça ressemble à ça pour les corriger. Donc, tu auras peut-être juste une feuille de travail à faire. Je t'encourage à aller sur le site Internet des dictées que j'en vais envoyer cette semaine, dictées sur Télé-Québec, parce que c'est bon. C'est très, très bon pour le français. Fais ta lecture aussi. Si tu manques de livres de lecture ou de lectures intéressantes, envoie-moi un petit courriel, je vais faire des recherches pour toi. On s'entend que des fois, juste lire sur l'Internet, faire une recherche sur, je sais pas, moi, si t'aimes les dinosaures, bon, ben, tu vas sur Google peut-être, tu tapes dinosaures grands avec des cornes. Bon, enter. Entrée. Return. Enter. Donc, tu vas avec plein de choses. Là, je vais cliquer là-dessus. Ah, bande dessinée sur les dinosaures. Puis là, ça donne l'explication. Tu es en train de faire de la lecture.
N'aie pas peur de faire cette lecture-là aussi, c'est bon. Cependant, fais attention quand on ferait trop de lecture sur l'écran, on vient les yeux fatigués un peu. C'est plus facile de faire avec des vraies feuilles, des vrais livres. Donc, fais un petit peu attention avec le temps d'écran, c'est important. C'est pas des faces, c'est pas juste pour pas que tu joues aux vidéos, là, aux jeux vidéo. Là. C'est vrai que trop de temps d'écran, ça peut venir fatigant. Tu n'as rien fait de la journée, tu as juste fait de l'écran, tu vas être fatigué pareil. Fais attention, OK? Et puis, ben, ça ressemble à ça. Il annonce super bon fin de semaine. Je pense qu'il annonce presque 20 ce dimanche, si je ne me trompe pas. Ça va être le temps d'aller jouer dehors. Peut-être aider papa ou maman à travailler sur le terrain. Si vous avez une maison, moi, je n'ai pas de maison. Travailler sur le terrain, racler le gazon, planter des nouvelles fleurs, nettoyer les murs un peu de la maison, nettoyer le jardin, faire des petites choses dehors que peut-être que, justement, vous n'avez pas le temps de faire durant un temps normal. Mais là, tu pourrais aider papa ou maman parce que tu as tout le temps que tu veux. Ça ressemble à ça? Ah! Oh, WebEx! Ah. J'ai pas encore de temps. J'attends une réponse pour mes quelques amis qui n'étaient pas là. C'est notre dernière réunion. Lundi, je vais envoyer l'horaire de la semaine. Et puis, ça va ressembler à ça? Ouais. Puis, moi, ça ressemble. Je veux plus rien dire. Qu'est-ce que je pourrais te montrer? Je sais pas ce que je pourrais te montrer, là. Non. J'ai rien à te montrer. Non. Rien partout. Mais je vais me préparer quelque chose la semaine prochaine. Non, fin de semaine, M. Denis, là. Il va travailler avec son mur vert. Puis, check bien ça. Eh, bye bye. Je vais faire un gros effort, mais j'ai hâte. Ça s'avance, ça arrive presque prêt. Je suis vraiment content. Donc, passe une belle fin de semaine. Je pense beaucoup à toi. Repose-toi, sois positif, sois heureux dans ton cœur. Et ah oui, les vidéos d'Anne Jenna, n'oublie pas que tu peux aller les voir quand tu veux. Les liens sont là. Si tu perds tous les liens, envoie-moi un courriel. Je t'envoie tout ça de nouveau. J'ai tout ça sur mon ordi. Sur ce, bye mon ami et on se voit très bientôt. Bye!